Et salut à toutes et à tous, c'est JulienGamer32, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de Watch Dogs, deuxième et dernière partie, pour vous montrer un petit peu tout ce qui va se passer. Je suis toujours sur cet écran de préchargement. Alors pour rappel, Watch Dogs c'est un jeu qui a été édité et développé par Ubisoft Montréal et qui est sorti le 27 mai 2014 sur console et PC. C'est un type action-aventure-infiltration, voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants juste après ce chargement pour vous montrer et vous expliquer un petit peu tout ce que je vais faire dans la partie. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur une petite quête annexe. Alors avant de commencer, je vais vous dire tout ce qu'on va faire. Donc je vais vous montrer une quête annexe dans le style agression. Je vais vous montrer le piratage d'un centre CTOS en passant par des caméras et sans tuer, pour une fois. Et je vais vous provoquer un blackout quand il fera nuit, mais pour cela je reviendrai à ma planque. Donc on va commencer du coup cette mission annexe pour commencer avec l'agression, et cette agression vous donnera une fois fini des points de réputation qui vous permettront de vous promener dans la rue par exemple avec une arme sans se faire hurler, enfin les gens n'auront pas peur, ils vont pas appeler la police ou autre. Voilà, c'est pour être vraiment mieux vu dans la rue. Donc là on va commencer notre petite mission annexe. Voilà. Il est dans cette zone. Faut que je fasse attention, ne pas me faire repérer. Et laisser le profiler faire son travail. Donc pour le profiler, ils disent qu'il faut appuyer avec W, il ne faut pas se faire repérer. Donc il y a un triangle jaune, il faut attendre l'alerte de CTOS. Et si on arrête le criminel sans le tuer, on gagne de la réputation. Voilà. Tu sais ce Bon, qu'ils recherchent? Il est dans le des coin. Drogues, j'imagine. Genre, reste des plus qu'à le trouver. Drogue ou de la beuh? La beuh, c'est aussi. T'es vraiment un connard. Eh, hey, je suis pas un connard. C'est comme ça. Et tu ferais exactement la même chose à ma place. Ah, mais alors là, pas du tout. Super pas même. En plus, c'est la première à dire que le week-end était foutu. Tout ça à cause de ces radianias. J'étais juste d'accord avec elle. Ça fait pas de moi un connard. Non, d'accord, d'accord. Hop, on va activer. C'est sûrement après elle qu'il en a. Il est dans le coin. C'est sûr, je le sens. D'accord. Hey, on peut discuter. Mais je veux pas en parler avec toi, tu comprends? C'est fini, fais-toi une raison. T'as tout faux, c'est pas terminé. Je dois l'arrêter maintenant. Je vais crier. Tu vas voir. Dégage. Oh mon Dieu! Merci beaucoup! Alors là, il faut appuyer sur F pour le neutraliser. Et voilà. Terminé. Et du coup, comme vous pouvez le voir, réputation améliorée. Donc voilà. On va. Voilà, donc ça nous donne des totales d'expérience et ainsi que de nouvelles compétences à débloquer. Donc ça nous permettra, comme je vous l'ai dit, de pouvoir se promener plus tard dans la rue avec des armes sans faire peur aux passants. Voilà, si on a une bonne réputation, ils s'en foutront complet qu'on soit armé. Nikki, oui, je sais, la fête a commencé. Elle est presque finie. Où est-ce que t'es? Là, je suis sur la route. Oh, mais tu le fais exprès. Tu sais à quel point c'est important pour Jackson. Dépêche-toi, on a envie de te voir. Oui, moi aussi. Je serai bientôt là. Désolé, Nikki, j'ai un double appel. On se voit bientôt. Cool, tu t'en es tiré. Écoute, si jamais t'as besoin d'une voiture, appelle-moi et je t'arrangerai ça. Des voitures d'occasion? Tu préfères passer par un concessionnaire? Ce mec, je lui pose pas de questions et il me trouve les voitures que je veux. Alors si ça t'intéresse... Ok, j'y penserai. Et Maurice, comment il va? Oh, t'inquiète, il est dans une forme olympique. Je vais le déposer à ma petite décharge personnelle. J'ai besoin de lui vivant, Jordi. Ouais, ouais, vivant, comme tu veux. T'as pas l'habitude, hein, c'est pour ça. Perso, je l'aurais déjà descendu, mais c'est toi qui paies, et très cher. Alors tant que tu paies, il reste en vie. Alors voilà, nous arrivons sur un nouveau petit point intéressant du jeu. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a eu
Jordi, pardon, au téléphone, qui nous indique qu'on peut avoir une voiture quand on veut, où on veut. Donc tout simplement, il suffit d'activer notre interface d'un smartphone, à savoir pour moi, c'est le clic central de la souris. On est sur l'interface du smartphone. Et donc, vous voyez, véhicule à la carte, j'appuie dessus. Et là, je choisis le véhicule que je veux. Bon, ben là, par exemple, je vais prendre la Adamant S-Série. Bon, plutôt sympa. Je clique et je valide. C'est bon, le véhicule de monsieur est avancé. Voilà, et il n'y a plus qu'à regarder la map. Où est le petit point? Voilà, ça s'affiche. Donc, c'est dans cette rue. Il faut que je quitte ce parking. Attends, mais tu t'es pris pour qui? Et j'ai plus qu'à entrer, normal, pour récupérer le véhicule. Donc voilà, c'était une petite astuce pour vous montrer comment on pouvait obtenir des véhicules sans forcément briser les vitres et attirer du coup la police et autres. Alors, petit point que je voulais préciser au niveau des véhicules, je disais dans la première mission comme quoi ça patinait du cul, enfin c'était pas très très facile à conduire. Mais j'ai vu un live très intéressant de jeuxvideo.com qui expliquait justement que c'était volontaire, c'était plus tourné à l'arcade ce mode de conduite. Donc c'est tout à fait normal, c'est les véhicules patinent du cul. Mais bon, d'après ce que j'ai aussi entendu, les motos sont beaucoup plus faciles à piloter. Donc bon, à voir, c'est un mode de conduite à voir, il suffit de s'y habituer et puis voilà. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la partie pourchasse d'un gars qui conduit. Voilà, tout à l'heure là c'était une pourchasse d'un gars à rue, dans la rue. Là je vais le pourchasser avec une voiture. Donc on se retrouve tout de suite pour justement le pourchasser. Allez, à tout de suite. Alors on se retrouve en plein dans la mission numéro 2, celle qui était juste après la vidéo dont je vous ai laissé. Donc voilà, nous sommes dans la mission, je l'ai commencé. Je vais intercepter l'appel du gars qui harcèle notre sœur, parce que là, nous sommes chez la sœur d'Eden Pierce. Donc cette personne, une fois que j'aurai intercepté l'appel, je vais pouvoir le choper. Les enfants ont joué au justicier, ils imitaient ce type là, qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner, Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier, c'était moi la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante? J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Tu te souviens quand toi et maman, vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Voilà, elle reçoit un appel, je vais pouvoir l'intercepter pour choper le gars. Ah, vraiment? Non, non, continuez, allez-y. Bon, qui est à l'appareil? Un numéro masqué, ça se retrouve, vous savez. Je sais pas trop ce qui vous amuse, mais je suis pas sûre que la police trouve ça très drôle. Laissez-moi vous donner un bon conseil. Vous êtes prêts? Sortez de chez vous, achetez-vous une vie, faites des trucs et arrêtez de m'appeler. Répétez un peu pour voir. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. Je sais où tu vis. Je crois vraiment que tes serrures sont solides. Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? C'était qui, ça? C'est rien. C'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va, là. C'est bon. C'est bon. Apparemment, il pense pouvoir entrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein? On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires, parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire.
Vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Petite dispute entre frères et sœurs. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blague quand je t'aurai retrouvé, toi. Géolocalise le téléphone du gars. Voilà. Et on va pouvoir le pourchasser. Merde, il est en mouvement. Et c'est parti. Voilà de quoi j'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Alors là, pas de pitié. Je fonce dans tout ce qui bouge. Ça gêne, ça pille. Oh bah s'il est assez con pour se taper tout seul. Ouais. Désolée, je me suis un peu emballée tout à l'heure. Tu me rends vraiment dingue des fois. Reviens, d'accord? Je resterai calme, promis. Aiden? T'es à la recherche de l'autre cinglé, c'est ça? Eh ben... T'es en train de le poursuivre, là? Oh, j'hallucine. Non, c'est pas ce que tu crois. Arrête de jouer au héros, Aiden. Laisse tomber. Laisse quoi? Écoute, je t'entends mal, là, j'ai pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô? Allô? T'es toujours là, j'entends rien. Bon, allez, au revoir. Oh. Allez, une petite pourchasse, c'est quand je l'aurai topé. Et voilà. Je vais activer le profiler et je pirate ton téléphone. Alors, marché conclu. Ouais, c'est bon, j'arrive pas à croire que tu sois prêt à payer autant pour un coup de fil. Nicky Pierce, c'est ça? Je parlerai de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est glauque. Exactement. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nicky. Qui serait prêt à payer pour un truc pareil? Hey, y a du progrès avec DeadSec? J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client? Bon, il s'agit de quoi en fait? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le Loop... Moi? Je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au City OS dans le Loop. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Donc voilà, on va devoir pirater le centre CityOS. Alors, il nous impose d'aller acheter des armes, mais moi, je vais pas en avoir besoin, puisque je vais le faire à la mode discretos. On engage des mercenaires pour surveiller les centres CityOS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Mais moi aussi. Voilà, donc il nous demande de nous armer. Mais moi, je vais pas en avoir besoin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais... Merci, ma bravo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Allez, acheter des armes parce que ça me l'impose, mais nous on va se retrouver uniquement quand on sera devant le centre CityOS. Allez, à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve à côté du centre CityOS à pirater, comme vous pouvez le voir sur la minimap en bas à droite avec la zone rouge. Donc comme je vous l'ai dit, on va le faire de manière discrète puisque je ne vais pas attaquer personne. Je me sens pas bien. Quelqu'un peut ouvrir? J'ai besoin d'air, s'il vous plaît. Elle est partie où, ma copine?
Vas-y, fourmi, je suis derrière. Rien. Zone interdite, cassez-vous. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il nous bloque l'accès. Mais ce n'est pas grave, moi je vais me planquer dans un coin et je vais pirater tout le système. Donc en fait, il faut localiser un garde qui dispose d'un code d'accès. Donc à fouiller le centre petit à petit, il y en a bien un qui possède ce qu'il faut. Alors lui, il n'a rien. Lui, c'est lui qui m'a menacé. Donc je vais passer par une autre caméra. Hop, caméra intérieure. Allez, chopons le petit garde. Lui, il a rien. Où c'est qu'il se cache, le mister? Bon, alors on va tuer personne, mais on va les distraire pour leur faire peur. Le voilà, le monsieur, piratant son code. C'est parti. Maintenant, alors vous allez voir ce que je vais faire, c'est que je vais passer par une autre caméra. Alors, pas la sienne parce que celle-ci, elle me donne aucun accès, donc je vais quitter, revenir où je suis et repartir par le chemin, donc le même que tout à l'heure. Sauf que là, je vais carrément changer de point. Voilà. Je m'en vais sur cette caméra. Celle-ci, je vais l'attirer à lui et aller à sa caméra. Hey, y a quelqu'un ? Et du coup, vous allez voir, le panneau de contrôle est juste là, et j'ai plus qu'à m'introduire. Et voilà. Donc ici, nous nous retrouvons sur un mini-jeu. Donc comme vous pouvez le voir, ici, nous avons un point de départ, un point d'arrivée. Et tout simplement, il faut faire longer cette ligne bleue jusqu'à... il faut tourner les cercles, enfin les barres, pour qu'on ait le contact. Comme ici, vous voyez. Hop, et j'ai plus qu'à continuer. Idem pour ici, sauf que voilà, c'est un peu plus compliqué. Hop, il faut alimenter les deux ici pour que ça fonctionne. Voilà. Du coup, après, je tourne et j'active. Et par contre, ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, celui-là, il faut le toucher vraiment à la fin parce qu'il contient un timer qui va nous bloquer l'accès si on ne termine pas. Donc, en fait, il faut le faire en premier, les autres, pour pouvoir être tranquille. Et voilà. Et là, j'ai accès au serveur CityOS. Donc au choix, on peut pirater ces petites machines pour voir ce que font les gens. On va faire une, peut-être pour rire. Un petit pilote d'hélicoptère. Et on voit bien clairement que CityOS espionne tout ce que l'on fait dans le jeu. Ils savent où est un habitant à tel moment. C'est le Big Brother de Watch Dogs, façon de dire. C'était quoi ce truc? C'était carrément chez quelqu'un? On dirait que le CityOS fouine dans les vies privées. Ah, je comprends maintenant pourquoi DeadSec déteste le CityOS. Voilà, bon, on va pas s'éterniser sur tous les points de piratage, on va s'occuper de pirater le centre CityOS, donc vous allez voir, hop. Nous y voilà. Je suis connecté. Quoi? T'es dans le CityOS? Déjà? Exactement, j'ai le réseau devant les yeux. Toi, tu as ton accès, et moi maintenant, j'ai le mien. Le système du Profiler est en ligne. Il suffit d'un clic pour accéder aux secrets de tout le monde. Il indique même toutes sortes de trucs dans la zone.
Je crois que ça pourra m'être utile. Garde un œil sur le trafic en ligne. Il y a peut-être des fixeurs sur le réseau. Si je peux les voir, ils peuvent me voir aussi. Ok, il faut que je bouge. J'ai fait pas mal de bruit, là. Laisse-moi le temps de tracer ton appel. Je te tiens au courant. Et voilà, donc bon, les gardes sont un soupçon éveillés parce que, justement, j'ai fait du bruit, machin. Donc moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me barre très vite de la zone. Donc, on le voit ici, c'est ce rond blanc. Il faut juste que je m'en éloigne pour sortir. Mais voilà, je vais sortir et on sera tranquille. Enfin, je serai tranquille. Et voilà. Donc, vous avez pu le voir comment pirater un Sand City OS de façon discrète. Bon, j'aurais pu le faire en mode bourrin puisque j'ai acheté les armes. Mais non, moi j'aime bien pirater, c'est mieux. Hey, j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Je t'écoute. J'ai signé un deal très lucratif avec un client très exigeant qui a besoin d'un chauffeur. Non. Attends, je t'explique. Ce matin, j'ai trouvé Maurice en train de creuser un tunnel pour sortir de sa chambre d'amis. Du coup, faut que je change d'endroit. Bon, ce serait un peu à toi de t'en occuper, vu que Maurice, c'est ton problème. Mais c'est pas mon style. Je finis toujours ce que j'ai commencé, donc ce que je demande... Ok, ok, c'est bon. Je m'en occupe. Non, mais je voudrais pas t'embêter non plus. Je t'ai dit que c'était ok. Faut faire quoi, exactement? Une livraison. Escorter un type. C'est simple, non? Mais n'oublie pas que ma réputation est en jeu. Mon client paie le prix fort pour avoir le meilleur chauffeur de Chicago. C'est son jour de chance. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y a à faire, on va, avant de conclure la vidéo, donc vous voyez la nuit commence, enfin le soleil est bas, ce que je vais faire c'est que je vais revenir à mon point de départ qui est la planque, et je vais provoquer un blackout une fois que j'aurai acheté les améliorations. Donc on se retrouve tout de suite devant la planque. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve à nouveau à la planque. Comme vous pouvez le voir, je suis devant l'hôtel Hound Motel. Il fait encore orage, il pleut, enfin voilà, un tas de merde. Mais bon, j'ai attendu, il fait pratiquement nuit. Pas tout à fait, mais ça va être sympa puisque les lumières sont actives autant de Zotel et autres que la rue en elle-même qui est allumée, les boutiques et autres. Donc ce que vous allez voir, c'est que je vais débloquer la compétence qui me permet de surcharger ce petit bloc qui est ici, qui est tout simplement le transformateur de courant CityOS. Donc pour cela, je vais activer mon smartphone, aller sur l'arbre des compétences, et dans la partie piratage, ici, j'ai justement les transformateurs qui coûtent 3 points de compétences. Donc je l'active. Et donc maintenant, ça me permet, comme vous pouvez le voir ici, de faire exploser ces transformateurs et de causer un blackout dans la zone où je suis. Alors, bien que ce soit super sympa à faire, intéressant, ça ne sert pas qu'à ça non plus, ça sert aussi, quand on est pourchassé par les flics, de causer la nuit noire, enfin provoquer le noir pour qu'on puisse se planquer, enfin se barrer de la zone où on est en train de pourchasser. Ça peut être sympa. Donc voilà, bon, la nuit n'est pas tout à fait tombée comme je vous l'ai dit, mais je vais le faire exploser pour vous maintenant, comme ça, ça fera une conclusion de ma vidéo. Vous allez voir comment ça provoque le blackout. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, piratage. Et voilà, il fait nuit noire dans la ville. CityOS Blackout, c'est indiqué là-haut. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Les feux sont HS. Oh, on n'a vraiment plus rien qui fonctionne. Mais bon, voilà, comme je... C'est le problème, c'est que c'est que temporaire, la coupure. Mais ça peut être sympa pour se barrer. Quand on est pourchassé par les flics, voilà, c'est super sympa. Donc, allez, on va finir sur une petite explosion. Hop là, voilà, c'est super. Moi je peux faire tout péter, j'adore. Donc voilà, c'est sur cette petite explosion et blackout que je conclue ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, c'est un jeu que je vous conseille fortement de jouer et d'acheter, bien sûr, parce qu'il vaut le coup. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo d'édition collector en unboxing, faites-le. C'est sympa, il y a pas mal de petits bonus inclus. Et bien sûr, la première partie de mon test découverte de Watch Dogs que j'ai fait, donc la première vidéo. Donc celle-ci, c'est la deuxième, et je conclue là-dessus. Donc voilà, comme je vous le redis, jouez-y, ça vaut vraiment le coup. Ubisoft nous a baissé un petit peu les graphismes, mais bon, ça reste très beau à voir. Mais voilà, c'est super intéressant. Donc on se retrouve
J'espère très vite pour une prochaine vidéo, donc cette fois-ci ce sera sur le test découverte de Wolfenstein The New Order, qui est sorti un petit peu avant Watch Dogs, mais bon voilà, maintenant je suis sur Watch Dogs et je suis content. Mais je vais vous faire ce test aussi, il n'y a pas de souci. Donc j'espère pouvoir vous le faire assez rapidement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!